Hop, et on est reparti. Et je pense que dans le sac de Chloé, il doit y avoir... Attends. Merci. Il doit y avoir... dans le sac de Rachel, pardon, il doit y avoir une tenue punk, je pense. Ah. C'est pas très beau, hein. It's time to talk about the elephant in the room. This elephant fucking rules. Il y a autre chose. Ah voilà, un petit tag. On n'a pas le choix là, c'est Chloé Wazir. It's important to mark my territory for all future Junk Shack visitors. Ouais, je sais Turbi. C'est une ref à l'ancien jeu. It's like my junk fortress. It's important to mark my territory for all future Junk Shack visitors. Ok, on a tout fait. Parce qu'après, je pense que panneau. The cutting edge in junkyard security technology. Ego. Moi, je parie sur une tenue punk. A bag full of clothes. Yes, I need those. Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Alors déjà, la maison Dieu, ça dégage, mais le nom est nul, mais le phare m'attire. Masque de corbeau. Crâne de recharge. On va mettre du rouge. Je vais mettre du rouge. Je mets du rouge en fait. Est-ce qu'elle a forcément un bonnet ou pas? Si je mets autre chose. Vas-y, on va tester les tenues. Je teste toutes, pardon. Et ensuite, je ferai mon choix final. Ah, elle a pas le bonnet là. Ok. Donc je préfère largement sans bonnet. Celui-là est sympa, j'aime bien. Et le dernier. Le dernier, c'est un peu basic punk. Je sais pas si le choix a une incidence. Moi, j'aime pas les bonnets, ça moche. Je vais prendre ça. Désolé, Turpinette, mais je vais prendre. Y a pas d'incidence ? Ok. Je vais prendre un basique avec une petite veste, tranquille. En plus, on sort ce soir, donc faut se couvrir parce qu'il va faire froid. Donc voilà. Alors. Je suis à la décharge. Ouh, aïe, aïe. On va se faire agresser par Franck. Non, Franck, je pense qu'il va me... Ah, cible. Je pense que Franck, il va me dire que l'autre, il cherche son argent. Il va me demander... Je suis sûr qu'il va me demander si c'est l'argent que je lui ai donné. Et je vais devoir mentir ou dire la vérité. Je suis sûr. On va voir. Petit pari. Je peux tirer une fléchette? Non.
the woman we saw with Rachel's dad. Weird. Yo, Frank. It's Chloe. Je sens qu'elle est bizarre, cette femme. Elle a un truc caché, toi. I don't know the secret password, man. J'ai hâte de voir c'est quoi. Drugs? Price, get your ass in here. Dude, it smells like piss in here. Shut up. Ah, c'est propre, hein? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who is that one? Ah! God. Jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk. Now I'm fetching this for Frank. How low can I go? So Frank's a fellow survivor of Black Hell. Postier? Betting slip. $1,200? Way out of my league. En fait, il prend soin à peu près de son camping-car. Et dès que Rachel est morte, il a tout laissé en. C'est tout pourri, quoi. Fight the power. J'ai hâte de voir Pompidou. Sorry, Frank. Moi je le savais. Comment osez-vous donner des bonbons aux enfants sans l'accord de leurs parents et transmis votre plaque d'immatriculation à la police? Wow. Bomb sauce for the man who enjoys searing pain with his drive-through order. Bon, mais plus c'est quoi l'autre beer TP milk. Bah il travaille déjà, il vend de la drogue, mais maison, il a déjà une maison. Mais bah maison, je sais pas. Got it. L'autre choix de tag sur la camionnette, il y avait bonbon gratuit, il y avait un autre truc, mais je sais plus c'est quoi. Ah non, bah c'est nul du coup le tag là. This might not be the most gentle. But it is important. Bomb sauce for the man who enjoys searing pain with his drive-thru order. Regardez. That's an insane amount of beans. Apparently, Frank is a werewolf. D'ailleurs, en parlant de werewolf, je parle pas du jeu pourri hein, de Nasser. Comment s'appelle le jeu de loup-garou là? Des contes. Les contes. Le jeu à choix. Ça peut être sympa de le faire aussi. Don't mind if I do. Don't even fucking think about it. Damn. I guess Frank subscribes to the hiding in plain sight philosophy of drug stashing. Wait, Frank got a puppy? For real? Ami des chiens, conseil expert d'amis des chiens du monde entier. Salut, mon chien de 3 mois fait encore pipi partout. Qu'est-ce que je dois faire? Merci, Franck B. Les chiots ont des accidents quand ils ont peur. Il faut arrêter de gronder votre chiot, Marianne. Merci, mais je ne le gronde pas. Alors pourquoi continue-t-il à avoir des accidents? Il faut de la patience pour élever un chiot. Si vous ne pouvez pas vous contrôler, vous devriez réfléchir sérieusement et honnêtement. Vous demandez si vous êtes vraiment capable d'élever un chien, Marianne. C'est quoi votre problème? Connasse, je vous ai dit que je ne le gronderai pas, Franck B. Ouah, inutile d'être grossier. Je crois qu'il
Il est clair que vous le grondez. Votre... voire pire, Marianne. Et lui, il marque... Trop marrant, ça, ce message. Alors, rêve de nuage, signification. À quel âge les chiens mangent du steak? Pisseid, musique. Oh, Pisseid, très bonne musique, Pisseid. Mila Kunis, célibataire. Dédicace à Monsieur Coty. Hein. Économiseur d'écran, formation nuageuse. Assurance, incendie illégal. Surveillance, incendie, Arcadia B. Megan Fox, célibataire. Taille du plus gros nuage au monde. Pourquoi mon chou ne mange pas de steak? Ballcrusher 348@ezanon.allium. QG, quelle merde. Je suis retourné à la Syrie. J'aurais pas dû, j'ai les boules, putain, tout a cramé, c'est un massacre, j'y pense tout le temps, j'arrive pas à arrêter. Les chiens, ils sont restés 10 000 balles qui sont partis en fumée. Plus l'argent des saillis qui devaient rentrer, RF et ses collègues vont les avoir de travers. Putain, comment je vais faire pour me remettre de ça sans y laisser ma réputation? J'arrive pas à réfléchir à toutes ces conneries. Là, je veux juste trouver qui a provoqué le feu et lui cramer sa putain de gueule. Dis. Dis, c'est qui dit? Jeez, that's an expensive dog. Chien. Franck, il te plaît le chien? Je me suis dit que ça te ferait plaisir, il est spécial mec. Le gars qui a acheté Kali le voulait et je lui ai dit garde tes 3000 balles et va te faire mettre. Je garde pour mon poteau Franck. Ah, c'est le bébé de Kali, le pitbull, c'est ça? Franck, je suis sérieux, tout ce que t'as fait pour moi, ça vaut largement plus que 3000 balles. Me remercie pas, c'est un cadeau entre nous. Laisse-moi juste le faire reproduire quand il sera plus grand, Damon. D'accord. Ah, c'est Damon, du coup, dit. Ok. Et là, il y a Pompidou? Ah, il a cassé l'oreiller. Oh, la gueule qu'il a. You little killer. Robot Pompidou. Ah, j'ai pas vu. Alors, la tempête va être géniale. Super nul, je veux dire. Ça va être tordant. Et t'inquiète pas pour ton renvoi, ok. Ah, bah lui, l'amoureux de Chloé, lui. Justin. Meuf, j'ai entendu dire que t'avais été viré, mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, tu veux dire, je suis aux anges. Grave, si tu veux, bédave avec Trève et moi, fais-moi signe. Merci. Okay. Wow. That pillow is definitely dead. A swingy, flippy instrument of death. Il y a sa planque encore. Ouais, sa planque, elle était là. Dans une... Frank and his BFF. That's adorable. Son BFF, c'est pas celui que j'ai volé les t-shirts. Et son argent. Because Frank finally gave up on the steak. A throne fit for... Là, s'il n'y a rien au-dessus. Is this what I think it is? God, I paid that off. Alors, Stella barré, Chloé barré. Ah, je l'ai payé, du coup, ça m'a barré. Et du coup, si je l'avais pas payé, c'était pas barré. C'est ça? Jackson barré, Alice barré, Stella elle doit 100 balles. Anna 750. Ah ouais, Drew 1050. Armand barré et Jackson il a d'argent. Time to find out what Frank wants to discuss. Oh man. I
hope Argus and Bowser are okay. Et le petit chien. Is this it? Have a seat. Pompadour, huh? That's one badass name for a dog. It's French. Does it mean, like, tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Okay, so who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV. Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Rachel would want to know more. Ah, faut pas que je me loupe. I can convince Frank. It's faut pas que je me loupe, Topinette. Dude, I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. It's not like you signed a confidentiality agreement. You can be less discreet this one time. Nope. I protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. Hey, so, I had this dream the other night about a cloud that swallowed Arcadia Bay. You too? See? We're a lot alike, Frank. We've got shit in common. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? Je sais pas. Jeez, Frank. Putain! So sensitive. En fait, toutes les réponses sont en aucun sens. Pas, en fait, on peut pas trouver, c'est impossible. So, are you gonna tell me who that was? Christ, you ever shut up? I'm not telling you anything, okay? You don't have to be rude about it. Two damn seconds of peace and quiet is all I want. Okay. Okay. I'm good now. You hear the mill burn down? Yeah. I, heard some stuff about it. Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Money from what? Well, he's always had a few things going on. I help him out with some of them. Don't drown me in the details, Frank. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. I've got a little job for you. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? He's an unreliable douchebag. Nah, this is the first time he's done this. Kid's actually smart. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? Yeah, of course, but what's in it for me? I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah, sure. I'll do it. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got expelled this morning. Congratulations. It's still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this price... $100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really do it. We could leave for good.
I'll do it. Good deal. Didn't think I'd be back this soon. Well, here goes nothing. Better hurry up and get into the dorms. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette pièce de théâtre n'aura jamais lieu et qu'elle va disparaître et. On verra. J'ai pas pu lire. Je suis de retour à l'école encore. Ils ont monté des tentes pour servir de cabinet de babillage. Tu fais quoi, toi? Je suis là aussi. J'ai un petit boulot à faire pour mon dealer. C'est vrai qu'elle te rebelle. Tu viens me voir quand tu finis. Ouais, sans problème. On connaît bien cet endroit. What would I buy if I had enough money to build a whole dorm? Probably not a dorm. I should come hang around here during finals. Make everybody jealous. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ils refont le sol? D'accord. Just. Ugh. Qui aimerait organiser un groupe de discussion œcuménique, c'est quoi ça? C'est cette merde. It doesn't feel different. I don't belong here anymore. It's not my school. I don't have a school. But nothing feels different. Everything still feels shitty. And here I am, about to break into the freaking dorm so I can steal money that True owes my drug dealer. This is gonna go great. Re-Jordi, je sais pas qui tu parles, Turpi. Ah, oh, Steph, ma pote. Hey, Steph. Whoa. Hey, Calamastia. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Thanks for trying, but skipping yesterday was totally worth it. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? I'm just picking up something from somebody. It's for a friend. Now I'm really curious. What are you doing? What's all this stuff? I'm prepping for the Tempest show tonight. I'm the stage manager. Oh, right. I think I knew that. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. Obviously, Rachel's fantastic, but everyone else is pretty impressive, too. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Okay.
I'm intrigued. Go on. Like, Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan as Caliban, there's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well, good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... I don't know. It's confusing. Yeah, I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe, you know you can, right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. Ok, il y avait un choix apparemment. Un choix qui a fait une conséquence. Est-ce qu'il y a Samuel? C'est Samuel ça ou pas? Ah non, c'est l'autre. Oiseau. Oiseau. Evan's subject for the day. Better you than me, bird. Blackwell Academy. Conserving water since never. What are you doing here, smoke weed de bear? You're not still upset about that, are you? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks... really ridiculous. Chloe? Uh-huh. I've learned something about myself recently. Something that I think you might understand. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. Forest fires, for example. You should have taken my petition seriously. Like anyone else did. Did you really expect people to care? People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Looks like you were right. Go, Evan. You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Je sais pas ce que ça aurait fait si je lui avais bien parlé. Est-ce que... arroseur, je peux peut-être allumer l'arroseur d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire. Si je lui avais bien parlé, je pense que ça aurait fait autre chose. J'avais marqué mon vrai nom et j'aurais pas troll. Après j'ai troll parce que c'est Chloé. That's some intellectual shit, Samuel. Vas-y Samuel, il travaille là. Théorie du chaos, la farsale, Inis Corvus. Bien sûr qu'il travaille ici, Samuel. Such a nice white door. Though, it feels like it's missing something. Doesn't it? Too bad I can't tag it with Samuel standing right there. Et où Samuel? Ah, il est là! Et moi, je rentre dans son truc. Je suis, mais oui, Samuel, il travaille là. Le livre, il nous le dit. Et il me dit qu'il y a Samuel dans la pièce. Et il est juste là. Putain! Merde. Such a nice white door. Though, nice work, Samuel. Oh, il fait des écureuils. Samuel, mon pote. Hey, Samuel. Keeping busy? Always, Chloe Price.
I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? You're here for someone. A special someone, yes? What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. That's, deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you, like, write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? I'm, looking for Drew North. Most look at Drew North and see only the athlete, but he is more than that. He is? A great heart he has, with much love and no room for fear. I've always thought he was kind of a bully. He may be that, too. No one is just one thing. Il est quand même très creepy, Samuel. Hein. Quoi qu'on en dise, il est très gentil, mais très creepy. What about Elliot Hampton? Have you seen him recently? I only see what Elliot wants me to see. Okay. Usually I can see both what people want me to see and what they want to keep hidden. And, what do I want to keep hidden? That you are lonely and afraid. It's okay not to be okay, Chloe Price. I've gotta go, man. It's been real. I often wonder what real is. Farewell, Chloe Price. Et moi, je dois taguer la porte. Mais comment? Samuel. Blackwell's resident creepy groundskeeper. Ah, tu vois, elle dit creepy aussi. Eh, Chloé et moi, on se comprend maintenant. On se comprend depuis Before the Storm. Nous sommes liés. Par contre, dès que tu passes à Life is Strange, nous sommes déliés. Comment je le fais pour qu'il sorte de là? Faut que j'active l'arrosoir automatique, là. Comment je peux faire? Je sais, mais comment je fais? Such a nice white door. Though, it feels like it's missing something, doesn't it? Too bad I can't tag it with Samuel. Peut-être là-bas, il y a... Marcher dessus, peut-être. Il y a un bâton. Bâton, il est là tout seul, c'est bizarre, hein. Non? Non? Dans la tempête, c'est oui, c'est RP. They're just too high risk. I always knew that one day Miss Price would leave and à demain, je vous dis merci d'être passé.
Du coup, là, je vais dire, oh, quelqu'un a marché dessus. Il y a encore un totem là-bas. Mm-hmm. C'est bizarre quand même, tous ces totems chelous qui se baladent dans le jeu. What are the chances that 200 years ago, some teenager got in trouble for carving face? Drew's room definitely isn't this way. Je peux lui reparler à lui. Je vais demander à lui pour voir si. There's only one way into the dorms, and that's the front door. Donc j'ai marché, ça n'a rien fait. Donc c'est pas ça. Ah, on va rester bloqué à un endroit? Juste pour taguer une porte? Aucun souci. On va rester bloqué toute la nuit ici. Je vais pas aller à l'Evan voir. You shouldn't be on campus, Chloe. Yes. Demander à ma pote là-bas, du coup. Et si je vais là, c'est pour rentrer à l'intérieur. J'ai pas envie. Steph's probably biased, but she does have taste. Maybe the show will be good. Cahier. Why, yes, Chloe, of course you may look through that. C'est stylé, elle a fait un totem, elle a fait un corbeau. Ça dessine bien. Steph's really good at creating fantasy worlds. I can see why Mikey prefers them to his reality. Un travail exemplaire, Stéphanie, ta créativité brille plus que le soleil de Milan. Monsieur Keaton. C'est très stylé ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce personnage, Steph. Ah, c'est moi, Caliban, non? Non, c'est pas moi, c'est pas ça. Ariel, Ferdinand. Love is bullshit. Ah. Je vais pas m'aider, Steph. I'll see you at the Tempest. Right. Je vais me creuser la tête. Drew's room definitely isn't this way. Comment je fais du coup là? C'est dehors ou pas? Si c'est pas dehors, je tourne en rond pour rien, tu vois. Il y a pas un million de d'interactions quand même. Max would have jumped on that photographer position. D'arroseur Blackwell Academy. Conserving water since never. Backseat. Mais là tu peux me dire juste si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est tout. Sinon, ça va être un peu long. Ici, il n'y a rien. Hein. J'ai tout fait. Hein. J'ai tout tourné en rond. Il n'y a que ça que j'ai pas fait. J'ai peur que si je m'approche, aller au dortoir. Mais ouais. Que Steph, c'est pas bon. Evan, c'est pas bon. Le tag dans le ciment, c'est pas bon. Je pense qu'il faut... T'es obligé d'aller dans le dortoir. Hein. Je peux pas, il y a rien à faire.
J'essaie de trouver, de longer les trucs. There's only one way into the dorms. Bon, tant pis, hein, je peux pas. Y a aucune solution, je peux rien faire. Samuel. Blackwell's resident creepy groundskeeper. Je peux pas aller là, genre. Drew's room definitely isn't this way. Bon, moi j'ai l'impression qu'on peut rien faire. Parce que quand je parle au truc, je peux pas lui envoyer un SMS, genre. C'est quoi le crâne près des trucs? Ah, c'est bien que j'ai pas lu. Je trouve que ça peut être sympa à lire ça aussi. Donc il me reste que deux personnages à découvrir. Je pense que c'est la femme tatouée et un autre personnage. Jefferson peut-être. On peut lui envoyer un texto. T'avais stuck, donc t'avais abandonné. Et là, je vois pas ce qui. En vrai, il y a très peu d'interactions et je vois, à part le ciment et le prévenir, quelqu'un a marché dedans. Et ou activer l'arroseur, mais ça marche pas. Ah, dans le dortoir. Ah voilà, donc c'est ça. Donc je suis bien obligé d'aller dans le dortoir. Locked. Super. Super. Looks like my options are become a master lockpicker or swipe someone's keys. C'est pour ça. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? Eh ben oui, les arroseurs. Sprinklers? Mais ça fait une heure, je vais les activer. Parce que j'avais pas parlé à cette porte de merde. Tiens, on va pouvoir taguer la porte comme ça. Comment j'active les arroseurs? If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. But Evan is right there. Mm-hmm. Voilà, il est plus là. Hey. Shit. I wanted you to go the other way. Like as far as possible the other way. Ah, mais il revient à chaque fois, donc faut que je nettoie les graines. Ah voilà, t'avais cherché Milan toi aussi, donc on est bien d'accord. On peut pas nettoyer les graines. Parce qu'il y a des graines partout en fait. Ah, mais j'ai compris, il faut les frayer de ce côté. Ou de ce côté-là, plutôt. De ce côté derrière. En derrière. C'est un peu mal fait parce que elle fait peur à l'oiseau à l'infini et Evan, il s'en fout. Cassé. Mais là, il est devant, là. Hein. Et là, il est devant. If I can scare that bird far enough away, maybe Evan won't see me break that sprinkler. Gotcha. Oh, perfect.
Voilà, en plus on l'aide. You're welcome. Allez, on va casser. Ben voilà. Hop, ça a cassé, c'est cassé. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the... That works. Enfin! Écureuil qui s'en fout. Moi, je veux écureuil gentil. Voilà. Écureuil. Definitely cheers the place up. Ok, boîtier. Who would have thought sprinklers would be the key to getting inside the dorms? Sorry, Samuel. Et pourquoi pas ce côté-là? Yet. All right, time to find Drew's room. Yeah, sorry, man. Desperate times call for smashing sprinklers. Je peux lui parler à Ivan ou pas? Non, je peux lui parler. For once, Evan's obsessiveness turned out to be useful. Oh. Hmm. Let's go. No time like the present. Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Didn't you just get expelled? Relax. I'm just visiting a friend. I really can't just let you go in. Non mais j'entre, Skip, il est gentil. Si je fais j'entre, c'est pas gentil, non? Ouais. I'm going inside, dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. I hate to do this to Skip. But I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. Oh putain. Je gagne 5 fois d'affilée. Official business. Women's business, Skip. As in my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. What? No. No, it's my job to ask, Chloe. Mais c'est quoi ça? C'est nul! You realize that, right? Chloe, I just have this feeling like you're up to... Wait. You talked me into letting you into the bathroom this morning, and then you tagged the entire friggin' place. What? No, fuck it. I totally did that. Wells raked me over the coals for that. Time to go. Or what? What are you gonna do, Skip? Because unless you're prepared to drag me off this campus, I'm going inside. Chloe, enough.
This is my job. Just go. You have never respected me. You and all your smug little classmates. I am so tired of being shit on by high schoolers. You know what? I'm done. I'm done with this stupid rent-a-cop job. Just do whatever the fuck you want, Chloe. Whoa, Skip. Matthews, I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. That's funny. Because I've got reports about how your head is really far up your ass. What did you just say? Damn. Matthews. Skip really lost it there. Comme ça qu'il part, Skip, il en a eu marre de son travail. Du coup, ça sert à quoi cette altercation si même si tu loses, tu gagnes? J'aime bien Skip, moi. Du coup, il est parti en mauvais terme avec moi, casse les couilles. Ça avance, tu l'as trouvé. Respire, mec, ça fait même pas 5 minutes, ça en fait 20. Donc, il y a quelqu'un qui bouge, toi. Ouais, mais 20 parce que j'ai cherché à taguer une porte. Normal. Eh oui. All right, which one is Drew's room? Thank you, Geometry Help, Justin. Guess I'll never see my name on one of these. I wouldn't have made it to senior year anyway. Drew, c'est 110. Et je vais quand même fouiller toutes les chambres. Could Elliot be lamer if he tried? You should don't pass. Je rentre partout, moi. Rien à foutre. Il y a Einstein. Elliot does work really hard. I guess I'm happy for him. C'est lui un A+, le mec. The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places. Why does that make me sad? It's been so long since Elliot and I actually went to a concert together. Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. That's not half bad. Okay. Mm-hmm. Dark. Pas mal, pas mal. Who is it that Elliot's writing about? Le soleil s'apprête à poindre. La mer chaude et accueillante, quand ses rayons de lumière affleurent la crête des vagues, quand l'infinité froide et informe se conforme à un plan désolé, et pendant un court instant, plus rien n'est impossible. Tout dit oui, mon cœur dit oui. Elliot is way more artistic than I thought. Wait, are these about me? What the fuck, Elliot? Elle est tellement puérile, si adorable, si cruelle, sa dague noire faisant couler des mots, dégoulinant. Pourquoi ça parlerait de Chloé? Oui, on va fermer le tiroir, si je peux, pour éviter que... Voilà. D'accord, Roger. Elliot's mom seems nice. Bonjour mon chéri, je viens de recevoir la lettre pour ta bourse. Je suis tellement fier de toi. Je l'ai montré à toute la famille. Ta grand-mère a seulement dit évidemment qu'il l'a eu. C'est mon petit-fils. Au fait, ton père a encore appelé pour le 4 juillet.
lui ai dit qu'il était trop tôt pour lui répondre que tu te concentrais sur tes études en ce moment, mais si tu veux passer du temps avec lui cet été, je serai d'accord évidemment, ne brise pas tous les cœurs du lycée. Lucky Dana. Yo Elliot, t'as anglais avec Dana Ward, non? Elle est comment? Je la trouve trop bonne. Dis-lui quelque chose de cool sur moi, mais pas comme si je t'avais demandé de lui dire merci gros. Warren Graham is such a... Oh, Warren! C'est le mec de Max. Tu as vraiment tort. Ed Wood a fait des films atroces, je te l'accorde, mais il est sorti tellement d'autres films merveilleusement horribles. Après Plan 9 from Outer Space, on dit que c'est le pire film jamais réalisé, mais est-ce que vous avez vu Night of the Lepus? Une bande de zombies de l'espace, c'est rien comparé à des lapins géants carnivores, non? Warren. There's way less porn here than I would have thought. Comment nouer un nœud de cravate vidéo? Elliot Hampden Arcadia B, Chloé Elizabeth Price Arcadia B, Chloé Elizabeth Price, Chloé Price. Enfin, il est amoureux de Chloé. Station La Tempête, billet La Tempête Academy, Major Lucas Sumner, oui, Illuminati signification, les gardiens de l'enfer livre. I knew Elliot did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. Ah ouais, mais en vrai, c'est juste le boss, Elliot. C'est le meilleur élève de l'école, en fait. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does belong at Blackwell. Ok, on a fini avec Elliot. Ah non, clarinette. I've never been able to get Elliot to play for me. I guess he's either really good or really bad. Pourquoi sa chambre est entrouverte? Ça veut dire qu'il est encore là, le mec. Pas logique. I want to say that half the fun of weed is knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome over the counter. Yep. Definitely Drew's room. Ok, c'est là. On a trouvé la chambre, mais avant, je veux voir les autres chambres. Il n'y a pas d'autre. Attends, juste voir, il y a la chambre de Warren ou pas? Guess I'll never see my name on oui, 104. I wouldn't have made it to senior year anyway. Du coup, Warren, il connaît pas encore Max là. Frapper, ouvrir. Frapper. Imagine, il est à l'intérieur. Frapper, évidemment. Et on frappe trois fois. Bon, j'imagine qu'il n'est pas là. Il n'y a pas la serrure. Ah. Et j'ai frappé trois fois, hein. S'il est à l'intérieur, je comprends pas. Good. Drew's not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Ce serait pas Mickey en face qui dort là avec ses figurines, c'est peut-être lui. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Une bourse, ouais. Bet the dinner choices are steak or steak. For the love of God. Too bad I lost my release form. I was really looking forward to running all those sweaty laps. Part de risque, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il peut se blesser, quoi.
We might have failed to kill you, Durgaron, but something tells me Mikey's not through. Yet. Yeah? Bad guys don't usually look so obvious, but this is still awesome. Awesome. Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Looks like Mikey's been staying here with Drew. They look so happy. Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. Ah, ok. Dans un foyer, son père. Is the money in there? Oh, right. Guess I have to crack a 4-digit code. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. Et mec, il te reste des cachetons magiques, je suis méga mort, je m'en suis pris un pour toi hier, soit ce soir t'as vu, personne te plaque quand je suis là, tu veux bien m'enfiler, il me faut quelque chose. C'est quoi, c'est des cachetons pour être plus fort sur le terrain? At least Drew has some prospects. Ça doit être ça. I wonder exactly how important. Bah, c'est 16-10. Peut-être 16-10. Ça peut être pas mal de choses, hein, le. Ça peut être 0-9. Damn it. Wrong numbers. 0-9-0-9. Damn it. Wrong numbers. A lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock combo? Peut-être 12-12? Damn it. Wrong numbers. Comment tu peux trouver? Look at that. More numbers. 11, 20, 36, mais... Damn it. Wrong numbers. Might actually need some help with this one. C'est quoi le plus important pour Drew à ton avis? Question venue de nulle part, je sais pas, Mike, vraiment cool. Alors qu'un rapport, mais c'est quand il veut mettre pas de suite, c'est en décembre 27. Donc 27-12. Ou 12-27. Mais qui marie, eux ils font à l'envers. Une fête pour lui. 1227. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse. 1227. Yes. This is kind of fun. Oh. Poupilou. Will Drew beat you up too? Jackpot. I'm kind of good at this. J'ai un message non lu, hein, faut que je le lise. Ok. Alors, bulletin d'information, incendie, surveillance, incendie, arcade à B, incendie, parc national de communication maîtrisé à 50%. Ok. Hey, got the money. Time to bust out of here. Et là, pas filé là.
Ah, c'est Mikey. Hey, Elamon. Chloe, what are you doing here? I was looking for your brother, but he's not here, so. Why? Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough. You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew, relax. Slow down. Shit. Ah, c'est Damon. Who the hell is that? No one. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on? Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is it? Please! Just give me one week... You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid! No one steals from me! No one. Fuck. Fuck! Évidemment. En vrai, stop. It's okay. I've got your money. Ah, I didn't realize we had an audience. Hey, Mikey. Okay. Who the hell are you? Frank sent me to collect. That's what Frank was going on about? Wait, are you the bitch who tuned up Sheldon? That guy at the mill? So what? He'll recover. Anyway, I'm here. And I've got the money. Frank was right about you. Let's see the cash. We need that! It's all here. Mikey, you need to help your big brother. Help him understand that I take this shit seriously. Come on. Mikey's got nothing to do with this, man. You help your brother understand that if he steals from me again, I'm coming back here and I'm going to break his knees. Thanks, kid. Tell Frank I owe him one. We needed that money. You just screwed us over. Are you crazy? That guy could have killed you. You don't know anything about this situation. It's none of your business. Yes, it is. Mikey's my friend. I don't want him to get hurt. You think you're some kind of hero? Stepping in for poor Nathan Prescott? And now you're messing with our lives? Mikey. I gotta look at your arm.
Just leave us alone. Look. I'm sorry. Sorry doesn't get our dad off the streets, does it? We'll be okay. This day has been so messed up. At least I can talk to Rachel now. If I can find her back here. Ok, je lis mon texto et après je coupe le rec et je relance. Chloé, c'est Steph, je vais à l'hôpital. Mikey a le bras cassé. Drew m'a un peu expliqué ce qui s'est passé. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Quelle situation à la con. Dis-moi, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Merci, je te dirai ça. Ok, ça va. Elle m'en veut pas. Du coup, je sais pas ce que ça faisait. En fait, j'avais peur. Moi, j'avais juste peur d'un truc, c'est que le mec tue Drew. C'est pour ça que je suis intervenu. Je me dis, est-ce que juste il aurait blessé? Si juste il était blessé, je serais resté dans la chambre. Mais bon. Je sais pas. Bref. Je coupe le rec et je relance.